Bonjour à tous, c'est Léo de Québec Fier. J'ai une question simple pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance en Trudeau quand il nous dit que finalement il va réduire l'immigration? Bon, je vous explique un peu. Donc, Justin Trudeau récemment a eu comme une révélation, puis après presque 10 ans au pouvoir, il réalise qu'il y a trop d'immigration au Canada. Évidemment, c'est lui qui a fait exploser l'immigration temporaire, qui a augmenté de 275% sous Trudeau. Donc, c'est absolument énorme. Et l'immigration permanente aussi qui a augmenté de 100% sous Trudeau. On était déjà, pour vous donner une idée, on était à 250 000 immigrants par année sous Harper, ce qui est déjà beaucoup par rapport au Québec, par exemple. Au Québec, nos seuils permanents, en gros, sont de 50 000. Ça a augmenté un peu dernièrement, mais souvent, c'est à peu près à 50 000. Puis déjà, c'est problématique. Mais 250 000 par rapport au Québec, ça serait à peu près 60 000. Donc, pour vous donner une idée, les seuils sous Harper étaient déjà élevés. Puis ces seuils-là ont doublé sous Trudeau. Donc là, il vient de réaliser que c'est un problème. Puis là, il dit, bon, ben, je vais réduire l'immigration temporaire, je le promets. Il l'avait déjà promis, d'ailleurs, il y a quelques mois, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, là, il promet qu'il va le faire. Et il pense que peut-être il faudrait réduire l'immigration permanente. Il commence à y penser. Et ça, c'est sans parler de l'immigration illégale, évidemment, qui a explosé sous Trudeau. Initialement, on a eu Roxham. On se rappelle que Trudeau avait invité, dans le fond, tous les réfugiés de la Terre à venir au Canada, en passant par... finalement, ils sont passés par Roxham, mais bref, ils les avaient invités sur Twitter. Et là que Roxham est fermé, en fait, ils passent par les aéroports. Et encore une fois, c'est grâce aux règles que le fédéral a changé pour faciliter le passage de ces demandeurs d'asile qui en fait sont des immigrants illégaux qui abusent du droit d'asile. Donc bref, Trudeau et sa politique migratoire, c'est vraiment un gros bordel. Je veux dire, il est en train de foutre un bordel monumental, entre autres, au niveau du logement. Crise du logement extrêmement grave, explosion de l'itinérance. On peut penser, là, on a la rentrée scolaire. Ben, une des raisons pour lesquelles on a une pénurie d'enseignants, c'est pas la seule raison, mais une des choses qui aggrave la pénurie d'enseignants, c'est qu'on vient de recevoir, je pense, 16 000 étudiants ou élèves issus de l'immigration juste l'an dernier au Québec. Donc, ça vous donne une idée. Et beaucoup de ces enfants-là, ce sont les enfants des immigrants illégaux qui passaient par Roxham, qui maintenant passent par les aéroports. Donc, c'est un énorme problème. Ça cause des problèmes, évidemment, en santé. On peut penser à la pénurie de médecins de famille. Ben, plus il y a des gens qui arrivent, plus toutes choses étant égales par ailleurs, les listes vont s'allonger et s'allonger. Donc, c'est pas une bonne chose non plus. On peut penser à la cohésion sociale. Je veux dire, quand on pense qu'il y a des gens qui ouvrent le feu sur des écoles juives à Montréal et qui lancent des cocktails Molotov sur des synagogues, on va être honnête, là, ces gens-là, c'est pas Pierre-Paul Thibodeau puis Jean-Paul Tremblay, là. Ce sont des musulmans radicalisés. Okay? Il faut dire la vraie chose. Et évidemment, ça cause des problèmes linguistiques. On le voit avec le déclin rapide de la langue française à Montréal, à Laval, etc. Ben, tout ça est lié à l'immigration massive. Donc, il y a d'énormes problèmes causés par les politiques migratoires complètement folles de Trudeau. Et là, finalement, il dit, ah, je comprends qu'il y a un peu de problème, donc je vais réduire un peu ça à la marge. Donc, bref, les Québécois et les Canadiens ne croient plus Trudeau. C'est une des raisons pour laquelle la majorité des Québécois veulent, en fait, exigent sa démission. Ça vient de sortir dans le journal ce matin. Et il y a plusieurs autres raisons, mais de toute évidence, l'immigration et le bordel migratoire sans précédent expliquent en partie l'impopularité de Trudeau. Donc, nous, on est absolument en faveur de la démission de Trudeau et également en faveur de baisses importantes de l'immigration, que ce soit l'immigration légale, l'immigration illégale, l'immigration permanente, l'immigration temporaire. Ça doit baisser dès maintenant parce que la situation est grave. Donc, si vous êtes d'accord avec nous, merci d'aimer cette vidéo. Merci de la partager et merci de laisser un commentaire parce que c'est toujours bon pour l'algorithme. Ça fait en sorte que nos vidéos sont vues par plus de monde. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, c'était Léo de Québec Fier et passez une bonne journée.